Premièrement, puisque les coupures de 1000, 5000 et 10000 ont été bien acceptées par la population et sont même, on nous dit, recherchées, nous avons donc demandé à la Banque centrale de faire en sorte que la coupure de 1000 francs soit un peu plus visible dans la circulation. Ça c'est un premier point. Évidemment, cela devrait se faire sans que ça ne perturbe la stabilité macroéconomique. Deuxièmement, puisque depuis quelque temps nous parlons beaucoup de relancer la croissance, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait un peu plus de crédit à l'économie et de crédit à l'économie en francs congolais. Nous sommes donc en train d'envisager pour le moment la création d'un fonds de garantie des dépôts. C'est la raison pour laquelle, comme cela se fait dans toutes les bonnes économies, nous devons cheminer vers la mise en place d'un fonds de garantie. C'est une sorte d'assurance des dépôts bancaires. Et puis, toujours dans le cadre du renforcement du crédit à l'économie, nous envisageons la modernisation de la centrale de risque, parce que ça, c'est un instrument important pour les banques. Une banque qui veut prêter veut s'assurer que celui qui demande le crédit ne représente pas un trop gros risque. Et donc, généralement, on doit regarder l'historique de la personne qui sollicite le crédit pour savoir s'il n'a pas fait défaut auprès d'une autre banque. Il existe une centrale de risque à la Banque centrale, mais qui a besoin d'être modernisée